Bonjour, je me présente. Je m'appelle Belmejdour Sofia. Je suis étudiante en traduction et interprétariat et je tiens à partager avec vous mon expérience au sein du cabinet TNM. Alors, tout a commencé lors de ma consultation chez mon dentiste habituel qui m'a diagnostiqué d'un réchauffement. Il m'a fait comprendre que ma dent était condamnée, qu'on n'avait pas grand-chose à faire, chose qui m'a vraiment attristée. Il m'a fait aussi comprendre qu'on ne pouvait pas faire la greffe ici en Algérie, que cela se passait seulement aux États-Unis. Ensuite, j'ai parlé avec une amie à moi, et c'est elle d'ailleurs qui m'a orientée vers le cabinet TNM. Ensuite, je me suis rendue au cabinet. J'ai rencontré la spécialiste en paro qui m'a vite prise en charge et qui m'a aussi rassurée qu'on pouvait effectivement faire la greffe. On s'est fixé rendez-vous pour la greffe, chose qui était faite, on a pu sauver ma dent. Je suis vraiment satisfaite du résultat et si c'est à refaire, je la referai avec plaisir. La récession gingivale, communément appelée déchaussement, est une affection parodontale caractérisée par une perte de gencive dans l'environnement immédiat de la dent, créant des zones d'exposition de la racine. Ces zones d'exposition peuvent à leur tour être le lieu de sensibilité dentinaire, créer en certains endroits un contour inesthétique ou seulement être la manifestation d'une atteinte plus aiguë. Dans ces cas, il peut être indiqué de recouvrir partiellement ou en totalité les sites dénudés de la racine dentaire. Plusieurs techniques ont été élaborées pour la correction des pertes de gencives dont la grande majorité procède d'un prélèvement muqueux appelé greffon. Ces prélèvements sont obtenus de la muqueuse palatine, créant par le fait même un second site chirurgical et ouvrant alors la porte aux complications liées à une deuxième opération. Saignement, sensibilité, douleur, infection, perte de...